March 19th, that's when we identified the first cases. We knew that if it's in Port-au-Prince, it was just a matter of days before he gets here. Just a few days later, we had our first patients. We, in total, received 204 patients. Only 12 of them died. L'homme qu'on a absolu qu'on a demandé pour faire l'homme pour l'hôpital là, patient. Yo du c'est pas l'hôpital c'est Boniface. Yo te capé dit yo te cap mourir. Ça te fait me sentir fier de tête moi. Et moi quoi année ça fait moi. J'ai 26 ans. Nous devons 4 jours coucher dans l'hôpital là, coucher dans le Covid. Dès qu'on l'a fait, la fièvre a duré sur moi 2 jours. Mais un jour, je me suis dit, toujours, je me suis dit, je ne suis pas capable de venir, je ne suis pas capable de venir. Et puis, le docteur Pierre était à l'hôpital, le docteur Pierre est là. Il dit, il faut que je vienne à l'hôpital pour regarder pour voir ça, il est capable de faire pour moi, parce qu'il a dû me ça. Un docteur qui dit bon bosse moi et n'a pas voulu la caillou nous on est tout bas en forme pour n'a pas voulu aller la caillou. We were affected a lot during the COVID period. It was hard to see some patients that they've been to 3 or 4 other hospitals on average before coming here. So we were basically doing all emergencies during that time. A half of our patients are urgent. This number is going up because COVID affected a lot of hospitals in the Southern Peninsula. Plus ça qui te caractérise nous surtout, c'est solidarité qui te gagne entre équipe qui t'a travaillé dans COVID là. On tombe malade ou même qui t'es là pour bailler soin, ou perdu pas bailler soin, mais qui est-ce qui a vienne bailler soin? Donc c'est nous pour camper, donc c'est comme ça. T'es venu au conseil collectif qui t'es venu soulever. Et puis tout employé net te dit que y a yo prêt pour yo bay soin. Si bien que c'est Boniface, c'était seul centre qui était gagné dans le département sud là qui pour te recevoir moun yo là où gen Covid. Majorité malade qui vinn là, c'est moun l'autre côté au terrain et nous t'es toujours prêt pour bay soin. Nous pas de peur du tout pour dans la communauté. C'est Natus Gerlin. Moi habite Mioye. L'aime dans cette là, là en période ça vraiment me descend une distressé parce que maladie a ta fait travail parce que bac pas connu qui gens. Parce que l'aime venir sur les mal l'hôpital. On l'aime river l'hôpital au Kembe, bon juste. On était stressé parce que moi te gagne en pile monde. Premier petit moi on te fait la caille après l'autre 5 jours et l'hôpital Saint Boniface. Le patient qui pas venu à l'hôpital parce que des grandes rumeurs que le venu à l'hôpital donc des médicaments yo bail qui cap contrarié yo donc comme ça mon yo était surtout rester la caille et puis yo venu à l'hôpital très tard. L'hôpital a plus bon parce que quelques bagailles le accoucher la caille ou pas junior. Le l'hôpital là au plus bon toujours parce que là mes docteurs parce que pas comme qui arrive. Nous tout vous dire que masque non porté, non pas porté pour protéger tête, non mais non porté pour protéger monde qui est en face là. Je suis stressé parce que moi maladie, parce que moi j'ai un bébé, parce que toujours dit monde qui est enceinte maladie à plus bagay, même t'es stressé, mais je t'ai toujours respecté les règles, mais t'es caché, après l'amour avec caché. Les gens qui sont en maternité, c'est vrai que la maternité n'est pas à camper, pour le fait que les gens toujours venu accoucher. Mais il y a des gens qui sont disposés, si toutefois le corona envahit nous. J'ai bien regardé. J'ai bien regardé moi. Je n'ai pas avec moi, je n'ai pas de me coucher, je parle avec moi, je me sens que c'est un monde moyen. Si moi j'ai un service, je suis malade, j'ai un traitement, peut-être que je ne suis capable de me sentir normal. Et vous me dites merci, c'est Boniface. It came out that change has been still, you know, wish. But I think that energy, if I invested in caring for my fellow citizens, in making sure that they feel that at least
in one place in this country, they can be treated, no matter how poor they are, as a human being with respect, dignity, with love, compassion. I think that my life won't be wasted.